Salam alaykoum. Alors l'auteur Ibn Hisham dit maintenant: Ma kharaja an il asli fil i'rab. Thumma qultu wa kharaja an dhalika al asl sab'atu abwab. Ahaduha ma la yansarif. Fa innahu yujarru bil fatha nahu bi afdala minhu illa in udifa aw dakhalathu al نحو بأفضلكم وبالأفضلي. Alors Ibn Hisham, après nous avoir présenté les quatre déclinaisons qui sont الرفع, النصب, الجر, الجزم, il les a répartis entre les déclinaisons qui concernent uniquement le nom, comme qui sont communes au nom et au verbe, comme al-raf' ou al-nasb, les déclinaisons qui sont spécifiques au nom, al-jar, les déclinaisons qui sont spécifiques au fi'l, qui est al-jazm. Donc, quatre déclinaisons. On a vu qu'al-raf' il est utilisé pour exprimer le fait qu'on fasse l'action, que le mot dans la phrase fait l'action. Le nasb il est utilisé pour exprimer le fait qu'on subisse l'action, ou qu'on est objet de l'action. Le jar est utilisé pour exprimer le fait qu'on est une préposition ou bien qu'on participe à cette action. Et le jazm, il est utilisé pour le fiel dans certaines situations. Alors on a vu des exemples de noms marfou', c'est-à-dire des noms qui ont cette déclinaison, cet état de raf'. Par exemple, on a dit Zaydun qa'imun, on a dit Zaydun marfou'. Alors pour quelle raison il est marfou? Quand on dit Zaydun qa'imun, Zaydun se lève, Zaydun est debout. Zaydun, il est marfou parce qu'il est mubtada. On a vu c'est une des raisons pour lesquelles un nom est marfou, Zaydun mubtada. Et à quoi est-ce qu'on reconnaît le raf, l'état de raf? On le reconnaît à la dhamma. Ensuite, Ibn Hisham, donc il y a un exemple, c'est pareil pour le Inna Zaydan Yaqoum, on a vu l'exemple Inna Zaydan Yaqoum. On a dit que Zaydan Mansoub. Et pour quel raison il est Mansoub? Il est Mansoub parce qu'il est venu après Inna. Et comment est-ce qu'on reconnaît qu'il est Mansoub? C'est parce qu'il a une fatha. Ensuite, Ibn Hisham il a donné l'exemple de Bizaydin. Bizaydin, il est Majrour. À quoi est-ce qu'on reconnaît qu'il est Majrour? Parce qu'il a une Kasra. Et pour quelle raison il est majrour? Parce qu'il est précédé de ba, du harf ba, de la lettre ba. El jazm, lam yakum, on le reconnaît, yakum, il est majzoum, pour quelle raison? Parce qu'il est précédé de lam. Et à quoi est-ce qu'on le reconnaît? Au sukun, ou bien à la suppression de la lettre waw. Donc, Ibn Hisham, dans le cours précédent, il nous a vraiment présenté que. Il nous a. Présenter le fait que la marque de reconnaissance de l'état de déclinaison ou de la déclinaison marfou', c'est la dhamma. La déclinaison nasb ou le nom mansoub, c'est la fatha. La marque de déclinaison principale par défaut du jar, c'est la kasra. Le nom les majrour, là qu'on le reconnaît à la kasra. Le jazm, c'est le sukun. Ou bien hadful half al-ilah, bon, le sukun. Alors, ensuite, il nous présente ici ma kharaja anil asl fil i'rab. Qu'est-ce qui sort de ce principe, c'est-à-dire du fait que on reconnaît le raf avec la dhamma, le nasb avec la fatha, le jar on le reconnaît avec la kasra. Il y a des choses qui sortent de cette règle du principe, c'est-à-dire qu'on va reconnaître, on va avoir un raf qui va être exprimé avec autre chose que la dhamma. Et le nasq peut être exprimé avec autre chose que la fatha. Et le jar qui va être exprimé avec autre chose que la kasra. Et le jazm qui va être exprimé aussi avec autre chose que le sukun. Alors il dit, donc ça c'est le texte original, au kharaja an dhalika al-asl sab'atu abwab, il y a sept portes qui sortent du principe général qu'on a exposé. Ahaduha ma la yansarif, fa innahu yujarru bil fatha. Donc là il commence avec le premier usage grammatical, le premier mot qui va sortir de cette règle avec lequel on va reconnaître son état de déclinaison avec autre chose que
l'état du principe ou l'état par défaut, l'état fondamental qu'on avait décrit. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors il dit dans le sharh, donc dans l'explication, wa aqulu al aslu fi alamat al i'rab ma dhakarna. Donc le fondement dans les marques de reconnaissance de déclinaison, c'est ce qu'on a évoqué. Wa qad kharaja an dhalika sab'atu abwab. Alors là, on va rentrer dans sept chapitres, c'est sept exceptions, sept états de déclinaison qui sont pas remarquables avec leur marque par défaut qui sont la dhamma, la fatha, la kasra et le sukun. La première de ces exceptions est al-ism alladhi la yansarif. Al-ism alladhi la yansarif, c'est le nom qui ne se décline pas. Ou le nom qui ne se change pas. Alors il dit al-babu al-awwal babu ma la yansarif. On va voir qu'il y a des catégories de mots qui ne se changent pas. Et eux, ils ont un état de déclinaison particulier. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas être marfou avec une dhamma, ils ne vont pas être mansoub avec une fatha, ils ne vont pas être majrour avec une kasra. Wa hukmuhu annahu yuwafiqu ma la yansarif fi amrayn. عفوا وحكمه أنه يوافق ما ينصرف في أمرين وهما أنه يرفع بالضمة وينصب بالفتحة. Alors il dit الاسم الذي لا ينصرف, le nom qui ne se change pas, الاسم الذي لا ينصرف. Alors on appelle ça aussi le ممنوع من الصرف. Donc moi ce serait l'expression que j'utiliserais parce que الاسم الذي لا ينصرف c'est un petit peu plus long. Al-mamnu' min as-sarf, c'est un peu plus simple. Donc, mamnu' min as-sarf, on comprendra que c'est ce type de mots qu'on va décrire. Alors, il dit, ils sont marfou' avec une dhamma, donc aucun problème. Comme les noms normaux, ils sont marfou' avec une dhamma, ils sont mansoub avec une fatha, aucun problème. Par contre, wa yukhalifu fi amrayn, yukhalifu fi amrayn. Il dit, dans deux situations, il est différent du nom qui, avec la déclinaison, j'ai envie de dire, normale. Wa huma annahu la yunawwan, wa annahu yajurru bi fatha. Alors il dit l'ism alladhi la yansarif, donc c'est une exception, il faut c'est pas une exception dans le sens c'est un cas particulier, un cas à la marge, etc. Non, c'est très très utile, c'est un cas qui est hyper fréquent dans la langue arabe, parce que typiquement ça concerne tous les noms propres féminins, ils obéissent à cette règle, donc c'est une exception qui est d'un point de vue des règles, mais qui est très répandue dans l'usage. Alors il dit wahuma la yunawwan, donc ism al mamnu' min as-sarf la yunawwan, il prend jamais de tanwin, première règle. Wa annahu yajurru bil fatha. Ah voilà, et là ça c'est intéressant, yajurru bil fatha. C'est-à-dire il va pas être majrour avec une kasra. Il va être majrour avec une fatha. Il donne un exemple nahwu ja'ani afdalu minhu. Donc là alors là, il n'y a pas de problème. Ja'ani afdalu minhu. Ja'a afdalu ni. Alors, ja'a m'est venu quelqu'un qui est meilleur que lui. Alors là, ja'ani afdalu minhu, c'est afdalu. Il a une dhamma. Donc, il est marfou' avec une dhamma, aucun problème. La seule chose, c'est qu'il n'a pas de tanwin. Donc, ça, on appelle ça un nom. Mamnu' min as-sarf. Ismun mamnu' min as-sarf. Afdalu. Il est mamnu' min as-sarf, c'est-à-dire qu'il ne prend pas de tanwin. وَرَأَيْتُ أَفْضَلُ مِنْهُ. Alors là, ils ont fait une erreur, parce que c'est وَرَأَيْتُ أَفْضَلَ مِنْهُ. Donc c'est une erreur, bien sûr, pas de Ibn Hisham, mais de l'éditeur. رَأَيْتُ, parce que le ta, il est fa'il, et أَفْضَلَ, il subit l'action, il est mansoub avec une fatha. رَأَيْتُ أَفْضَلَ مِنْهُ. Donc là, il faut corriger ici, mais c'est juste, c'est une fatha ici, et donc, normal, le nom est mansoub avec une fatha, il subit l'action, c'est moi qui ai vu. Afdala, c'est la personne que j'ai vue, donc l'objet de l'action, donc il est mansoub, c'est normal. Et la marque de reconnaissance du nasb, c'est la fatha, modulo cette erreur, mais il y a une fatha ici sans tanwin. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de tanwin par rapport à un nom qui yansarif. Alors, il dit, wa marartu, et c'est là que ça va changer. Wa marartu bi afdala minhu.
ومررت بأفضل منه. Donc là, on a un ba, qui est un harf jar. Il aurait dû créer, forcer le mot à l'état de déclinaison jar. Mais il l'a forcé à l'état de déclinaison jar sans problème. Mais la marque de reconnaissance du jar, c'est la fatha. Et ce n'est pas une kasra. On s'attendrait à avoir une kasra ici. C'est une fatra, c'est une fatha parce que c'est un ism alladhi la yansarif. Il est mamnou' min as-sarf. Il est interdit ce qu'on appelle le sarf. Le sarf, c'est le tanwin. Alors, il n'a pas de tanwin. Et son jar, il est majrour avec une fatha. Il n'est pas majrour avec une kasra. Marartu bi afdala minhu. Wa qala Allah ta'ala fahayyu bi ahsana minha. Donc dans ce verset du Coran, fahayyu bi ahsana minha. Là c'est pareil, il y a un ba. Le mot, normalement, un mot qui suit une ba, un ba, il finit avec une kasra, mais là il finit avec une fatha. Donc il est majrour. Son état de déclinaison, il est majrour, donc il jarre d'un point de vue sens, etc. Il tire, c'est-à-dire ni il fait l'action, ni il la subit. Il n'est pas mansou, il n'est pas marfou, il n'est pas mansou. Il est majrour, mais sa marque de reconnaissance de son jarre, c'est la fatha, parce que c'est un ism alladhi la yansarif. Il est mamnou' min as-sarf. Et là, pareil, il n'y a pas de tenouin, parce qu'il est mamnou' min as-sarf. Dans ce verset, « Ya'maluna lahuma yasha'um mahariba wa tamathil » min mahariba ya'maluna lahu ma yasha ou min mahariba. Vous voyez, c'est un min harf jar. Ici on aurait dû trouver maharibi. Il est majrour avec le min. En effet, il est majrour, mais sa marque de reconnaissance de le jar, c'est le fatha, parce qu'il est mamnou' min as-sarf. Alors la raison pour laquelle il est mamnou' min as-sarf, ici il va exposer, il me semble que Ibn Hisham il expose ici toutes les raisons de l'interdiction du sarf, mais ici c'est parce que c'est un nom, c'est un superlatif, tous les mots qui sont avec la mesure afdala, ils sont mamnou' min as-sarf. La maharib, tous les mots qui sont avec la mesure mafa'il, ils sont mamnou' min as-sarf. Wa tamathil, pareil, il est mamnou' min as-sarf, c'est-à-dire qu'il ne prend pas de tanwin, et il est majrour, normalement il est aussi majrour avec ce min, enfin, parce qu'il est tabi' de ce mot surtout, et il est majrour aussi avec une fatha, parce que c'est un nom qui est mamnou' min as-sarf. Dans le verset suivant, wa awhayna ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub, nous avons révélé à Ibrahim, Ismaël, Isaac, Jacob. On voit que ici un ila, ça c'est un harf jar. On dit ila baladin. Mais là, on va dire ila Ibrahima. Donc Ibrahim, il est majrour. D'un point de vue sa fonction dans la phrase, il est majrour, mais avec une fatha. Ismaïl est majrour avec une fatha. Ishaq est majrour mais avec une fatha. Yaqub majrour avec une fatha. Car tous ces noms, ils sont mamnou' min as-sarf. C'est des ism alladhi la yansarif. Et bon, la raison pour laquelle il est mamnou' min as-sarf, c'est parce que c'est un nom propre étranger. Donc on le verra, toutes les raisons. Là, on en a vu trois différents. Ceux qui sont avec le wazn mafa'il, ceux qui sont avec la mesure mafa'il, ceux qui sont tous les superlatifs, comme afdal, tous les noms propres, étrangers, comme Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, ce n'est pas des noms arabes, ça. Donc ils sont mamnou' min as-sarf. Ils ne prennent pas de tanwin, et en plus, d'un point de vue de déclinaison, ils sont majrour avec une fatha. Alors ensuite, il dit « وَيُسْتَثْنَى مِنْ قَوْلِنَا مَا لَا يَنْصَرِفْ مَسْأَلَتَانِ يَجُرُّ فِيهِمَا بِالْكَسْرَةِ عَلَى الْأَصْلِ » Donc, ça, c'est l'exception de l'exception. C'est-à-dire que quand on va rencontrer un nom, un ism alladhi la yansarif, sa règle, elle est claire. C'est-à-dire qu'il va être marfou avec une damma, il va être mansoub avec une fatha, et il va être majrour avec une fatha aussi. Sauf dans certains cas où il va quand même être majrour avec une kasra. C'est-à-dire comme si il n'y a pas cette action de l'ism alladhi la yansarif. Il ne va pas être comme s'il n'était pas mamnou' min as-sarf. Alors c'est l'exception de l'exception. On va revenir en gros à cela. C'est-à-dire qu'on va avoir un nom qui est majrour, mais il va être majrour avec une kasra. Il est mamnou' min as-sarf, c'est-à-dire il a toutes les règles pour être exclu du... pour avoir cette particularité, mais il ne l'a pas pour d'autres raisons. Alors, il donne des exemples. يستثنى من قولنا ما لا ينصرف مسألة يجر فيهما بالكسرة على الأصل. إحداهما أن يضاف والثانية أن تصحبه الألف واللام. Il dit sauf dans deux cas. C'est-à-dire, on va avoir un nom, il est majrour avec une fatha. Un nom ممنوع من الصرف, majrour avec une fatha, normal. Sauf dans deux cas. Si أن يضاف,
S'il est mudaf ilayh. Mudaf ilayh, on a déjà vu cette notion deux fois. C'est la relation d'appartenance. C'est kitab ou rajulin, le livre du monsieur. Kitab ou rajulin. Chaque fois qu'on a cette construction, le livre du monsieur, il y a une grammaire particulière qui est que le deuxième mot, il prenne kasra. Alors Ibn Hisham, il dit si jamais le nom, on prend un nom qui est mamnoun min as-sarf, comme Ibrahim par exemple. Et bien, s'il est mudaf ilayh, s'il est dans une relation d'appartenance, alors il ne va pas avoir cette exception, c'est-à-dire cette règle particulière de al-jar avec le fatha, il va être majrour normal avec une kasra. Alors il dit wa-thaniya, on va avoir des exemples des deux cas. Wa-thaniya, an tashabahu al-alif wal-lam. An tashabahu al-alif wal-lam. Alors pareil, c'est un nom, il y a quelque chose qui annule toutes ces exceptions, c'est le alif al-lam. Si par exemple un mot, il est mamnoun min as-sarf, mais il a alif al-lam, alors il va être majrour avec une kasra normale. Taqulu marartu bi afdali al-qawmi wa bil afdali. Alors, vous voyez, là c'est pareil, c'est des fautes de l'éditeur, parce que l'éditeur, il n'est pas, ben, il est pas expert de tous ces sujets techniques, mais marartu bi afdala, on aurait dû dire, là il aurait dû dire bi afdala, c'est pas une kasra, c'est pas en dessous du lam, mais c'est au-dessus. Donc c'est marartu bi afdala, donc il n'y a pas trop lam. Ici il n'y a pas de alif lam. Afdal, c'est un ism mamnoun min as-sarf. Il y a un ba, donc il est majrour avec une kasra. Il est majrour avec une fatha. Parce qu'il est mamnoun min as-sarf. Marartu bi afdala, comme ici là. Ou marartu bi afdala minhu. Bi afdal il qawmi, je suis passé vers le meilleur des peuples. Le meilleur du peuple. Le meilleur des papes, c'est ça. Wabil afdali. Et là, c'est différent. Comme il y a un alif lam, il y a un alif lam, ce alif lam implique que le nom ici va être majrour, mais avec une kasra normale, c'est-à-dire comme dans le principe, comme par défaut, comme tous les noms qui sont majrours. Parce qu'il y a un ba, et il va être majrour avec une kasra. Même si ce nom afdal, c'est un mamnoun min as-sarf. Il appartient à ces sept catégories de mots qui sont exclu du principe, c'est-à-dire dhamma, marfou avec une dhamma, mansoub avec une fatha, majrour avec une kasra, majzoum avec un sukun. Il sort de ce principe, même s'il appartient à cette exception, là, il n'agit pas, son exception n'agit pas, parce qu'il y a alif lam. Wa qala Allah ta'ala, laqad khalaqna l'insana fi ahsani taqwim. Alors là, dans ce verset, quel est le témoin là de ce cours, le shahid justement de cette leçon? Fi ahsani, fi harjar, l'être qui crée le jar. Ahsan, il a une kasra. Alors que ahsan, il a la même mesure que afdal. Il est mamnoua min as-sarf. Il devrait avoir une fatha ici. Il devrait être majrour avec le fi, avec une fatha. Mais il est majrour avec une كسرة أفضل في أحسن تقويم. Pour quelle raison? Ah là, je me rends compte que j'ai fait une erreur. C'est que là, l'éditeur, il a raison, c'est une كسرة parce qu'il est مضاف. Et là, c'est la même chose. Donc là, je reprends, il a كسرة, elle est correcte, il est majoure avec une كسرة parce qu'il est, il n'a pas Alif Lam, mais par contre, il est مضاف. C'est Afdal al-Qawm, le meilleur du peuple, le meilleur des peuples. Ça, c'est une relation d'idafa. C'est comme Kitab ou Rajuli. C'est une relation d'idafa. Cette relation d'idafa, elle fait qu'il est majoré qu'une kasra. Même si c'est un ism, mamnoun min as-sarf. Dans le verset du Coran, c'est pareil. Ahsani taqwim. Il y a un fi. Donc, il est majoré. Il est mamnoun min as-sarf. Il est avec la mesure afdal. Du coup, il n'est pas majoré qu'une fatha. Même s'il fait partie des sept, parce que. Il est mudaf, taqwim. Il est le meilleur, ahsana taqwim. C'est le meilleur des postures droites, quoi. Taqwim, c'est. Voilà. Donc là, on a une relation d'idafa. Donc il est mamnoun min as-sarf. Même s'il est mamnoun min as-sarf. Même s'il fait partie de cette exception, il va faire son jar avec une kasra parce qu'il est mudaf. Parce qu'il est mudaf.
Alors, ensuite, Ibn Hisham, comme c'est la fin d'une question qui est traitée, c'est-à-dire c'est la première des exceptions des noms qui font avec leur déclinaison, non pas avec les éléments fondamentaux, mais avec des éléments autres que les trois éléments fondamentaux, les quatre, la dhamma, la fatha, la kasra, le sukun. Il nous explique, il nous donne l'analyse grammaticale d'un verset du Coran. En l'occurrence, c'est celui-là. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Alors il dit Allam jawab al-qasam sabiq fi qawlihi ta'ala. Wat-tini waz-zaytoun. Ce lème-là, c'est la réponse à un serment, je crois, contre le qasam, le fait de jurer. Je ne sais plus comment on traduit ça, on dit en français l'adverbe du fait de jurer, c'est pas. Je sais pas. Le fait de jurer. Donc il dit lème, jawab al-qasam sabiq fi qawlihi ta'ala. Donc le lème, c'est la réponse au serment qui est fait dans le verset précédent. Dans le verset précédent, en fait, Dieu jure par la figue et l'olivier. Ça, c'est un juron, ce waouh. Là, c'est un waouh du fait de jurer. Je jure par. Et je jure par, il a une réponse. Je jure par, machin, qui se passe quelque chose. Par exemple, si je dis je jure sur, machin, qui se passe quelque chose. Et bien là, il dit, Ibn Hisham, il dit ce lam, c'est Jawab al-Qasam, c'est la réponse à au fait qu'on ait juré ici. Wama ba'dahuma. Alors, pas seulement ce verset, mais les versets qui sont suivants, c'est Wat-tini waz-zaytoun, Watur Sinin, wa hadha al-baladi al-amin. Et bien, tous ces trois versets dans lesquels il y a un qasam, on appelle c'est le fait de juger, de jurer. La réponse, elle est dans le lème, c'est la réponse à ça. Il dit Al-lam, jawab al-qasam al-sabiq, fi qawli ta'ala, wat-tini waz-zaytoun, wa ma ba'dahuma. Wa qad laha arba'a ma'ani. Qad, ce mot qad, il dit il a quatre significations. Alors, c'est du plus, Ibn Hisham, il nous donne un cadeau, en gros, il nous donne ici les significations, parce qu'il aurait pu se contenter de donner la signification de Qad dans ce verset, mais il nous dit Qad, il y a quatre significations, a priori, il va nous donner les quatre significations, les quatre usages du mot Qad dans la langue arabe. Qad. وذلك أنها تكون حرف تحقيق وتقريب وتقليل وتوقع. Alors, on va essayer de traduire ça. أنها تكون حرف تحقيق. Tahqiq, c'est-à-dire c'est de haqq, de la vérité, donc confirmation de la vérité. Wa taqrib, potentiel, c'est-à-dire taqrib, c'est l'approximation. Wa taqlil, taqlil, c'est peu, c'est-à-dire peu de choses. Taqlil pour diminuer, un diminutif. Wa tawaqqu', waqa', c'est le fait de se produire, le fait que ça se produit. Alors qad, donc, il est utilisé soit pour confirmer la vérité, soit pour exprimer une approximation, soit pour exprimer une diminution, pour diminuer, soit pour exprimer quelque chose qui se produit. Qad. C'est à peu près l'équivalent en français de. Dans un des usages, certes. Alors, certes, ça serait. Certes, ça serait. Il est. Tahqiq, par exemple. Le Qad, il a quatre usages. En français, on pourrait dire certes, il est vrai que. Tahqiq, a priori, taqrib, taqlil, il est peu probable que, tawaqqu', il est vrai que cela s'est vraiment produit. Fallati, le tahqiq, tatroulu ala le fi'l al-mudari'. Alors, il se trouve que Ibn Hisham, il nous dit ici que le premier usage de qad, tahqiq, il est facile à reconnaître parce qu'il rentre dans le fi'l al-mudari'. Donc dans le verbe conforme, va précéder un verbe conforme. Et dans l'exemple du Coran, qad ya'lamu ma antum alayh. Ya'lamu, c'est un fi'l mudari', qad est rentré sur
Donc ils disent ce cas d'ici, c'est un tahqiq. Donc il est vrai que il sait ce que vous ne savez pas. Ya'lamu ma antum alayh. Il sait dans l'état dans lequel vous êtes. Ya'lamu ma antum alayh haqqan. Il le sait vraiment. Deuxième exemple, qad nara taqalluba wajhaka fi as-sama. Nous voyons tes retours des yeux vers le ciel. Qad nara taqalluba wajhaka fi as-sama. Qad nara. Nara, c'est pareil, c'est un fi'l mudari'. Qad, les tahqiq, c'est pour confirmer. Alors il dit, il rentre aussi al al-mardi. Il précède aussi le verbe passé. Laqad khalaqna al-insan. Khalaqna, c'est un verbe passé. Khalaqna, nous avons créé avant. Laqad, qad. C'est un harf tahqiq, ça confirme vraiment. Il est vrai que. Al-aya. Wa kada haythu ja'at qad ba'da al-lam fahiya lit-tahqiq. Alors il dit, il y a une autre façon de reconnaître que qad a le sens de tahqiq, c'est-à-dire de dire il est vrai que. C'est qu'à chaque fois qu'elle est précédée d'un lam, comme laqad, elle a cette signification. Elle a ce sens. Qad a ce sens de il est vrai que à chaque fois qu'il est précédé de lam. والتي لتقريب تختص بالماضي نحو قول المؤذن. Alors, deuxième sens, التقريب. تحقيق, on a vu. Il est vrai que. Il rentre dans le fi'l al-mudari', il rentre dans le fi'l al-maadi. Et aussi, troisième chose à retenir, c'est qu'il est systématiquement. C'est systématiquement ce sens après un lam. والتي لتقريب تختص بالماضي. Alors, deuxième sens, التقريب, c'est-à-dire l'approximation. Elle rentre, cette signification, on va la retrouver dans le après, avant le verbe passé. Nahuq, qawlul muaddin, c'est-à-dire l'appel, celui qui appelle à la prière, il dit, qad qamati s-salah. Qad, ce harf, justement. Alors, quelle est sa signification ici? Eh bien, on va dire, c'est le taqrib. Parce qu'il est un verbe passé. Qamat, c'est un verbe passé. Qamat, c'est-à-dire la prière, elle a été levée, entre guillemets. C'est un verbe passé. Qad, il a quelle signification? Il a la signification de taqrib. Taqrib, alors nous on a dit approximatif. Alors c'est approximatif, mais là l'usage du coup c'est pas approximatif, mais c'est proche de qaraba. Voilà. Proche de. Donc la prière en gros. La levée ou le démarrage de la prière est proche. Là, sur Qad, le démarrage de la prière est proche. Ou nous sommes proches, nous sommes. Il est proche. Le démarrage de la prière est proche. Qad qamatis salat. Ay qad hana waqtuha. C'est-à-dire que son temps est très proche. Walidhalik yahsunu wuqu' al-madi madi al-hal. Idha kana ma'ahu Qad. Walidhalik yahsunu. وقوع الماضي موضع الحال إذا كان معه قد كقولك رأيت زيدا قد عزم على الخروج. Alors, il donne un exemple de cette phrase qui contient encore une règle grammaticale. كقولك رأيت زيدا قد عزم على الخروج. Il dit simplement, il dit, comme on a un verbe passé avec qad et on a un verbe passé, il dit, il convient de considérer que ce qu'il y a après, c'est un état, ce qu'on appelle un hal. Qad azama ala al khuruj. Azama ala al khuruj, ay aziman alay. Il est dans l'état de, il est prêt à sortir. J'ai vu que Zayd est prêt à sortir. Une règle fondamentale, disons que c'est pas basique comme règle. Wallatil et taqlil tahtassu bil mudari'. Alors, pareil, troisième sens, on avait tahqiq, certes que taqrib il est proche de qad qamat as-salat, tahqiq avant fi'l mudari' ou avant fi'l madi. Taqrib uniquement avec un fi'l madi, un fi'l madi, uniquement avec un verbe passé. Maintenant, le taqlil, le fait de diminuer ou de dire peu. Wallatil et taqlil tahtassu bil madi. Taqlil, elle est uniquement utilisée le qad. C'est-à-dire quand on voit un qad avec un fi'al madi, ou bien quand on veut utiliser un qad avec un taqlil, il sera pour la signification du taqlil,
ce sera uniquement avec un فعل مضارع. Je dis ماضي mais je dis ماضي mais je dis مضارع. بالمضارع كقولهم قد يصدق تورن باج قد يصدق الكذوب. Alors le menteur peut des fois dire la vérité. On va utiliser qad. Alors là, c'est pas certes le menteur dit la vérité, mais c'est le mérite. Le menteur peut dire la vérité. Qad yasduqu al-kadhub. Yasduqu, c'est un fi'l mudari'. Donc on voit que qad, c'est vraiment des significations différentes entre qad, qamati salat, la prière, l'heure de la prière est proche, ou la prière est proche. Entre qad ra'aytu Zaydan, par exemple, j'ai vraiment vu Zayd. Qad saduq al-kadhub, le menteur peut dire des choses vraies. On voit qu'il y a vraiment des usages complètement différents. C'est les trois usages qu'on a vus. Le quatrième, on va le voir maintenant. Wa qad ya'thuru al-jawad. Al-jawad. C'est-à-dire que le généreux peut parfois serrer, quoi. Ay rubbama saduq al-kadhub wa rubbama athara al-jawad. C'est ce qu'on vient de décrire. Wallati li-tawaqqu' takhtassu bil-madi. Alors, la quatrième sens, les tawaqqu', c'est-à-dire quelque chose qui se produit, elle est spécifique au mardi. Qala Sibawayhi, donc Sibawayhi, c'est vraiment le chef de file de l'école de Basra, et c'est vraiment le père fondateur de la grammaire arabe. Il dit, wa amma qad fa'ala, fawajab, wa amma qad fa'ala, fajawab, wa hal fa'ala. Alors, il dit Sibawayhi, Qad fa'ala, c'est la réponse à est-ce qu'il a fait. Il a vraiment fait, c'est la réponse à a-t-il fait. Li'anna as-sa'il yantadhiru al-jawab. Parce que celui qui pose la question, il attend une réponse. Ay yatawaqqa'uhu. Wa qala al-Khalil. Alors, le Khalil, si je ne me trompe pas, c'est un des maîtres de Sibawayhi. هذا الكلام لقوم ينتظرون الخبر. يريد أن الإنسان إذا سأل cette parole concerne les gens qui veulent attendre une parole. يريد أن الإنسان إذا سأل عن فعل أو علم أنه يتوقع أن يخبر به قيل قد فعل. وإذا كان الخبر مبتدأ قال فعل كذا وكذا ولم يأتي بقد فعرفه. Donc ça, il a appuie un petit peu son propos avec les paroles de Khalil et de Sibawahi. Il dit هذا الكلام لقوم ينتظرون الخبر. قد فعل. Il dit en gros, quand on dit قد فعل chez les Arabes, c'est comme si on attendait une réponse. يريد أن الإنسان إذا سأل عن فعل أو علم أنه يتوقع أن يخبر به إذا سأل عن فعل أو علم أنه يتوقع أن يتوقع أن يخبر به قيل قد فعل. Donc là, vraiment, les Arabes vont utiliser ça pour comme une question, quoi. Ils savent que quelque chose va se produire et ils disent قد فعل pour qu'on leur dise la confirmation. Est-ce que il dit ça s'est produit, mais dans le sens est-ce que ça s'est produit. قد فعل. وإذا كان الخبر مبتدأ قال فعل ولم يأتي بقد فعرفه. وإذا كان الخبر مبتدأ oui. Alors, وإذا كان الخبر مبتدأ قال وإذا كان الخبر alors, je vous avoue que je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire. وإذا كان الخبر مبتدأ وقال فعل كذا وكذا ولم يأتي بقد فعرفه. Donc il dit, non, il dit si le khabar mubtada bon on passe ça pas une
une grande importance. Alors, donc dans cette vidéo, on a vu la première catégorie des sept types de mots, une des sept catégories. Qui est exclu de la règle de la déclinaison, du principe de déclinaison, c'est-à-dire le fait qu'on exprime le raf avec la dhamma, on exprime le nasb avec la fatha, on exprime le jar avec la kasra. On voit qu'il y a sept catégories. La première catégorie qui sort de cette règle, c'est l'ism alladhi la yansarif. Donc c'est le nom qui est interdit de tanwin al-ism al-mamnu' min as-sarf. On a vu plusieurs catégories. Typiquement, si vous voulez en retenir un, c'est les noms propres étrangers, par exemple, comme Ibrahim. Et typiquement, si on veut répondre à la question, s'il y en a un qui a fait quelques cours d'arabe, mais qui n'a pas vu le. Qui a fait quelques cours d'arabe, il peut se poser la question, il va dire pourquoi est-ce que dans le Coran, il y a Ila Ibrahim, alors que Ila c'est un harfjar, et Ibrahim, il est majrour avec Ila, il devrait avoir une kasra. Et bien la réponse, Ibn Hisham nous l'a dit dans ce cours, c'est que Ibrahim, c'est un nom qui est mamnoun min as-sarf, donc il prend son jar avec une fatha. Voilà, la suite dans une prochaine vidéo. Salam alaikum.